Pardon. J'ai surtout l'impression que tu vas me le foutre mais pleine gueule quoi. Ça reste nul hein. Là tu vas me faire une entorse. Ah putain. Et salut, c'est Major Mouvement, je suis aujourd'hui avec un de mes meilleurs amis, Germain, qui est aussi kinésithérapeute. Et Germain, il partage une vraie passion avec moi, on peut être con. Il paraît. Et du coup, quitte à être con, on s'est dit qu'on allait tester ensemble des objets miracles. Il y a près de 2 ans, j'avais acheté l'équivalent de 300 balles d'objets miracles. J'ai déjà hâte. Bah l'idée, c'est qu'on va les tester ensemble. Je vais pas te dire à quoi ils servent, parce que toi, t'es pas du tout sur les réseaux sociaux. Du coup, si vous voulez vous abonner à Germain, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut que tu saches, Germain, c'est que nous, en tant que kiné, on n'a pas le droit de faire de la promotion, on est obligé de faire de l'information. Mais du coup, il y a tout un tas de connards qui en profitent pour vendre de la merde sur les réseaux sociaux. Du coup, on va vous les tester quand même. Et on va vous les vendre. Et on va vous les vendre. On a évidemment donc 0 code promo hein, pour toutes ces bouses. Le premier. D'après toi, c'est quoi ça, Germain? Déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la peau de kangourou. Voilà. C'est très rare. C'est extrêmement rare. Et c'est doux. Alors ça, c'est pour dans l'avion. Quand t'as besoin d'un petit oreiller. C'est un collier cervical, ça. C'est un collier cervical. Bien vu. Après, on aurait pu le mettre à un collier étrangleur. Ouais. Vous êtes face à un agresseur. Sortez de votre poche. Ne bougez pas. T'as quand même bien le temps. C'est efficace. Alors qu'est-ce que tu ressens? Je sens que ça va m'étirer un petit peu la nuque. Je fais de l'autograndissement mais passif. Idée qu'on donne souvent à nos patients hein. Quand vous avez mal au cervical, engagez, grandissez-vous. Ça peut être très bien pour les transports. Ouais. C'est assez pratique parce que ça se dégonfle facilement, ça se gonfle facilement avec la petite pompe et pour s'endormir c'est plutôt pas mal. Parce que tu sais que dans la pub ils te le vendent comme étant un truc pour réduire les hernies discales cervicales. Bah tu vas me faire une entorse. Il y a quand même un risque d'entorse. Ça commence à appuyer sur mes clavicules. Tiens, vas-y, mets ça. Je suis content que tu m'aies invité. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des copains. Donc ça, on devine ce que c'est. On en voit partout. Et genre, les gens qui le font dans les pubs, ils kiffent grave. C'est pour faire un exercice? Non, c'est complètement passif. Ah, c'est pour tu suspenser au plafond. Et tu mets ça sur ton dos. Niveau des cervicales, c'est un hamac cervical. Pour les cervicales? Ouais. J'aurais mis en lombaire pour t'amener en extension. Ouais, mais pourquoi pas. Et je vais te manipuler. J'ai surtout l'impression que tu vas me le foutre mais pleine gueule quoi. Détendez-vous, ça va bien se passer. Ouais, je suis quand même moyennement serein là. Bouge de droite à gauche. Moi j'ai l'impression de faire du cerf-volant. C'est du kitesurf. Et tout sent bien. Non, bah, franchement j'arrive pas à me relâcher une seule seconde. Dans la pub, les mecs sont comme ça, ouais. Suspendus à une poignée de porte. Genre c'est confortable, t'es là, tu le mets dans une poignée de porte et ça te détend les cervicales. Donc admettons, on va le faire bien. Alors tu fais la poignée de porte, tu reviens quand tu veux à la maison. Hein. Bah oui, ça fait plaisir. Franchement, hein, j'arrive pas à me détendre du tout. Au mieux, je suis en train de bosser les abdos. Ok, admettons que je me relâche. Je sens mes oreilles qui me remontent en chou-fleur sur les joues. C'était vraiment au niveau de la tête, c'était pas au niveau des cervicales. En plus, ils font genre ces techniques et te mettent des petits coussins et tout. On réessaye? Ah oui, non. Voilà, faut que je sois là. Respect des courbures anatomiques. Ça reste nul. Hein. Vas-y, essaye. Essaye avec les deux. Essaye avec les deux. Peut-être que c'est en utilisant les deux. Eh ben, les deux en même temps, c'est pas mal. C'est vrai? Ouais. Pour voyager. Tu voyages avec tes portes. Toi, t'arrives à te relâcher? Ouais. Bah, en fait, c'est comme dans un hamac, quoi. Ça Germain, ça fait quand même deux produits de merde que tu mets en avant. Moi, je commence à croire que t'es pas à la solde des mecs qui vendent ça. Alors, moi, j'en vends déjà beaucoup dans mon cabinet. T'as un code promo, Germain? Avec Germain 15, profitez de 15%. C'est de merde. Tu veux essayer un autre truc? Ah, bah oui, avec plaisir. Celui-là, je crois qu'il coûtait genre dans les 15 balles. Ça, ça coûte aussi dans les 15 balles. Ça, je crois que c'était dans les 50 balles. C'est pour te masser les pieds. C'est parti. Ouais, je sais pas, c'est juste un va-et-vient très superficiel sur l'extérieur du pied. 50 balles, ils te disent, ça vient chercher les méridiens de médecine chinoise, le foie, l'estomac, la rate, la vésicule biliaire. Tu vas te sentir détendu après ça. Et si tu parles juste de réflexologie plantaire, tous les méridiens passent par le pied. Donc ouais. À partir du moment où tu masses ton pied, tu vas chercher tous les méridiens. Et donc là, au niveau de tes organes et tes entrailles, tu les sens comment? Tu sens pas un bénéfice direct? T'as pas des modes? Y'a un bouton, t'as pas le choix. C'est soit c'est... Ah si, regarde, ça tourne dans le sens et normalement ça fait chaud. Ah oui, ça réchauffe. Voilà. J'ai l'impression d'avoir les pieds sur un petit radiateur et on est proche du chatouille. Ça, tu le vends dans ton cabinet? Mais je le vends plus cher. Même quelqu'un qui voudrait se dire, je le mets devant ma télé, je veux regarder une série tranquille, je veux juste me détendre les pieds, tu trouves que ça fait le taf? Ouais, tu peux te détendre mais ça me ferait chier. J'adore me faire masser les pieds, mais tu sais, quand t'as envie qu'on te masse les pieds, t'as envie que ça rentre dedans, t'as envie de bouger. Et surtout qu'ils te disent qu'il faut pas se mettre debout dessus. Bah, moi j'ai très envie de me mettre debout. Bah, vas-y. Tu peux? Ouais. Ah, ça va arrêter. J'ai pas le droit. J'ai mis trop de pression. Soit c'est froid et ça tourne à droite, soit c'est chaud et ça tourne à gauche, soit c'est éteint. T'as vu comme c'est léger? Ça fait plus des chatouilles, quoi. Tu vois, je suis pieds nus, la chaleur c'est pas désagréable. Comme une bouillotte, quoi. Une bouillotte mais qui commencerait à être tiède. Avec des limaces dedans. Par contre c'est rigolo. La danse de doigts de pied. Ça fait 50 balles le fou rire. Et encore, c'était pas le meilleur fou rire de ma vie non plus. Bah, il me faudra un truc pour les genoux là, tu vois, pour compléter. Si je combine les trois en même temps. Regarde. Est-ce que tu te sens mieux? Là, je suis bien détendu.
15 balles, 20 balles, plus 50 balles, 85 balles pour une détente absolue. Pour finir, j'ai quand même, parce que toi t'es un spécialiste de la médecine chinoise, je te propose deux objets, tu dois me dire lequel des deux est un objet santé, lequel des deux n'est pas un objet santé. Ça détend ? Ah oui. Est-ce que ça, d'après toi, c'est un objet santé ? D'accord. Non, faut pas déconner quand même. Ah, au bip, à l'allumage, c'est un objet santé, c'est sûr. Un thermomètre frontal. Donne-moi ta main, tiens, et mets ça ouais, sur ton doigt. Oh. Ah oui, ça me fait des décharges. Oh merde. Oui, parce que si jamais c'est moi qui te le fais, je sais jamais qui va prendre un coup de jus. Là, c'est toi qui... Je prends du jus, là. Tu prends du jus, là. Oui, je prends du jus. Tiens, vas-y, touche mon doigt. Lâche ta main gauche. Ah, putain. C'est horrible. Ça, c'était mon micro. Qu'est-ce qui t'a plus détendu, les couilles d'alpaga ou le collier cervical? De savoir que c'était de l'alpaga. Celui-là, 9,95€. Donc le Meridian Energy Pen, ça marche avec une pile AA. Ils ont quand même le culot de te mettre dedans des méridiens de médecine chinoise à appliquer. Ça fait 4 ans que tu fais de la médecine chinoise? Bah, t'avais qu'à acheter ça. Tu t'es fait niquer, je pense. Je vais lui faire le K11. Tu sais où passe le méridien du rein? Le K11. Alors, je connais le 10 rein, mais pas le 11. Le 10 rein, on est par là. 11 rein, on est sur le pubis. Prostate. Oui, mais c'est pour ça que je le connais pas. T'as pas révisé ça encore? Je vais jamais faire ce genre de point. Tu te vois mettre une aiguille au niveau du scrotum? Ouais. Eh, parce qu'ils te font quand même toute la médecine chinoise en 2 pages. T'as une page complète pour comment mettre la pile et t'as toute la médecine chinoise en 2 pages. Ça met des décharges et ça me défonce. Ouais, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Regarde, je suis en train de me muscler. Donc là, t'es en train de te faire. Là, je suis sur le poumon. Bien joué, Germain. Le poumon. Ah. Alors, autant en termes de santé, ça n'a aucun intérêt, mais il y a de quoi se marrer quand même. Donc là, si je fais ça, c'est pour perdre du poids. Et je fais ça pendant combien de temps? 3 heures. Hey, ça marche. Ça sert à rien. Tu vas te défoncer pour rien. Oh putain. Ouf. Alors, ton avis, ta note sur ça. On va mettre une note pour le voyage. 9 sur 10. Je mets pas 10 parce que j'aurais trop peur qu'un de mes voisins s'amuse pendant que je dors. Et pour traiter les cervicalgies, combien tu lui mets? 0. C'est une énorme arnaque et quand on voit les vidéos, on a l'impression que ça fait de la résorption de hernie cervicale. Je mettrais, c'est de la grosse merde sur 10. Le hamac cervical, celui-là, t'avais plutôt convaincu. Oui, on était bien demain. Oui. Tu me l'offres? Je te l'offre. Ça fait plaisir. On peut peut-être faire de la muscu avec... Germain, les gens veulent une note. Bah 0, c'est pas fait pour soigner. Donc tu lui mets 0 sur 10, c'est toujours pratique si jamais tu veux accrocher des trucs sur ton vélo ou peut-être... Une sacoche. Une sacoche. Ou une fronde. J'ai pas les bras, c'est grand. Je lui dirais, allez, 2 sur 10. On a des coussins rembourrants. En termes de douceté, je leur mets 8 sur 10. J'en ai d'autres, hein. Si jamais cette vidéo vous plaît, mettez un pouce. C'est moi qui les achète, alors j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout. Ce superbe tapis des pieds massants. Ah oui. Alors par contre, il y a un truc, il prend pas les odeurs. Sur la non-prenage des odeurs, on peut lui mettre 6 sur 10. Ta note sur 10? En termes de repos devant la télé, pourquoi pas, mais si vous aimez les chatouilles. Ah oui, petite info, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais ils déconnent les mecs, ça fait quand même du massage circulatoire au niveau des pieds, c'est bon pour le retour lymphatique et veineux des jambes. Non, c'est pas suffisamment fort pour pouvoir favoriser le retour lymphatique et veineux. Allez. Mettez des chaussettes de contention. Hein. Allez, marcher. Allez, marcher. Comme note, je lui mets ça fera rien du tout sur 10. Dernier objet, ton concurrent direct. Pour l'amusement des soirées entre copains, je lui mets 10 sur 10. Ah oui. Alors ne serait-ce que de se marrer à savoir comment est-ce qu'on conduit le courant électrique, c'est très drôle. Parce que du coup, vous pouvez faire tous les trajets nerveux pour savoir quel nerf permet de contracter quel muscle. Tous les étudiants kinés qui veulent bosser l'anatomie, moi je le conseille. Vous pouvez tester et faire contracter vos muscles. C'est mieux que de caler les électrodes. Voilà. Un code promo peut-être, Germain, pour ça? Oui. Ta note sur 10? 10. 10. Ah bah oui, je vais en acheter 100. Venez me voir, j'en ai plein à vendre. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous ne pourrez pas retrouver Germain sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il vous a donné suffisamment d'infos pour le retrouver en prison. J'espère que ça vous aura plu, surtout que vous aurez passé un bon moment. N'écoutez pas tout ce qui est pub. De toute façon, quand tu vois passer une pub et que ça te promet des produits miracles, c'est de la merde. Ouais, j'ai rien à rajouter, je suis 100% d'accord. Partez du principe que les seules choses qui arrivent rapidement, c'est les emmerdes. C'est beau. Germain, je te le donne. C'est trop d'honneur. Écoute, ça me fait plaisir. Tu seras pas venu ici pour rien. Allez, salut, à la prochaine. Au revoir. Bye bye.